Salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Ys. J'allais dire Balan, je sais pas pourquoi. Sur Ys, on est toujours sur ce RPG fantastique. Et on va continuer un petit peu, puisque bah, de toute façon, c'est le but. Hein, va falloir le terminer à un moment ou un autre. Et bah, on va tout de suite mettre le lieu visé. Comme ça, on trace. Nouveau lieu, hein, du coup. Donc peut-être nouveau monstre, potentiellement. Oui, oui. Nouveau monstre. Oh, oh c'est stylé ça. Oh, c'est trop bien. Il attaque à distance lui. Ah ça c'est bien ça. Ça ça va être utile. Quand il y a des ennemis un petit peu pénibles, attaquer à distance ça sera pas de refus, hein, clairement. Ah oui, ah oui. Ah par contre là. Ok. Ça le touchait pas mais c'est bon. Ok, très bien. Par contre c'est pas téléguidé, hein, donc faut bien viser. C'est pas totalement téléguidé, dira-t-on. Allez, hop. Oh. D'accord, on peut carrément faire ça. Par contre, il se protège ou... Ah ouais, ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Il est intéressant, ce personnage. Par contre, eux, ils sont chiants. Regardez, j'arrive pas... J'arrive pas à percer sa défense. Ah, ça y est. Ouais, donc, il va falloir faire attention parce que je pense qu'avec certains ennemis... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un champignon, c'est quoi? Ah ouais. Oh, ça explose, ça. Ok, va falloir se méfier. Oula, oh là, le là. Oula, oh là, oh là, le là. Oui, oui, bien sûr, au crade. Oula, oh le robe gobelin. On va se méfier, quand même. Viens là, toi. Bon, ok, c'est bon, ça va le faire. Il est lent comme je sais pas quoi. Ouais, tranquille. Tranquille, celui-là. Alors, j'essaye vraiment de terminer au plus vite ce Ys, parce que vraiment, j'ai hâte de passer à Nier, forcément. À Nier réplicante qui arrive, hein, en remaster, plus, donc je suis plutôt chaud. Là, faut vraiment que ça y est, hein, je mette un gros coup de collier dans Ys. Et que ce soit ok. Et que ce soit ok, qu'on ait terminé. Hein, je veux vraiment le terminer. Vous savez, hein, j'essaye toujours de terminer mes let's play, toujours. Il arrive que j'en termine pas, hein, c'est déjà arrivé par le passé. Notamment un en particulier qui m'est resté toujours en travers de la gorge, hein, parce que je voulais vraiment le finir. Mais où j'ai eu des bugs, hein. C'était Sudeki. Alors pour ceux qui se rappellent, ne cherchez pas, hein, je l'ai supprimé du coup. Je l'ai passé en privé, c'est pas pareil. J'ai gardé une trace quand même du jeu, mais malheureusement la version PC était buggée et j'étais bloqué dans un décor en fait. Et comme ça avait sauvegardé à ce moment-là, et ben j'étais bloqué complètement. Et j'avais un poil la flemme de recommencer tout le jeu vu que c'était un RPG. Ça l'est toujours, hein. Mais... Vu que c'est un RPG, j'avais un petit poil la flemme quand même de tout recommencer, donc bah j'ai dit, bah tant pis. Bon, je vais changer de perso par contre. Parce qu'il est bien, hein, le nouveau perso, mais quand même, sentir que tu tapes, ça n'a pas de prix. On lui met des grosses rafales là, tu vois. Ça me plaît ça. J'aime beaucoup mettre des grosses rafales dans les ennemis. Yeah ! Allez, ça c'est bon. Ok, il est tombé. On la break. Ah, il m'énerve quand il se protège. Ça, c'est ok. Voilà. Donc, ouais, Sudeki, ça m'est toujours resté un petit peu... C'est pas la première fois que j'en parle, je crois, dans un let's play. Mais ça m'est toujours resté en travers de la gorge. Bon, maintenant, ce serait un peu trop tard pour relancer ça. Parce que, bah, clairement, je pense que personne connaît Sudeki et tout le monde s'en tape. Mais peut-être, je sais pas, peut-être un jour, hein. Peut-être un jour ça va me prendre et je vais le relancer, je sais pas. Allez, hop, pas mal. Ah, là, j'ai loupé. Dommage. Arrête de te protéger. Allez. Ok. Allez, on va aller là où on doit aller. Pas mal comme répartie, ça.
Voilà, on est dans la ruine. Enfin, dans les ruines, plutôt. Bah, il y a des fleurs. Non, là, il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose, mais j'arrive pas à y aller. Bref, c'est pas grave. C'est le site commémoratif que vous cherchiez, Jules ? On y est. L'architecture est clairement de Norse. Ce lieu est dédié à Grimnir, le dieu roi. Aucun doute, c'est bien ici. C'est tellement calme, comme si le temps s'était arrêté ici. C'est assez impressionnant de mettre les pieds dans un tel endroit. Ouais, tu voulais vérifier quoi, toi, ici, déjà ? Avant la disparition du culte de Norse, les temples avaient toujours des cryptes. Des cryptes ? Mais pourquoi construire des tombes en sous-sol ? Pour pratiquer leur religion loin des yeux des fidèles de Luki, et éviter tout conflit avec eux. Adol, si des informations sont présentes ici, elles se trouvent sûrement en sous-sol. Tu t'y connais vachement bien, c'est l'influence de ton grand-père ? Plutôt celle des livres, qu'il m'a laissé après sa mort. Vu mon état de santé, je ne pouvais pas aller à l'école. Tu viens d'une famille de médecins, non ? Ton père faisait quoi de ses journées au lieu d'essayer de soigner son fils ? Craig, enfin ! Non, il a raison. Vous le savez peut-être déjà, mais mon père est en prison depuis 5 ans. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas pour quel crime. Craig a déjà parlé de ces arrestations étranges. Il y a de plus en plus de gens emprisonnés alors qu'ils sont innocents. C'est peut-être le cas de ton père ? Je ne sais pas, c'était il y a tellement longtemps. La chose étrange, c'est que selon ma mère, il n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. S'il n'a pas résisté, c'est peut-être qu'il savait pourquoi on l'arrêtait. Mais ce n'est pas important aujourd'hui. Ce qui l'est, c'est que je voulais venir ici pour chercher des informations sur la malédiction. Adol, inspectons les alentours pour voir s'il y a une entrée souterraine. Ok. On va bien trouver quelque chose à mon avis. Oh, il y a un coffre là. Il y a un beau coffre, mais on ne peut pas grimper là. Chiant ça. Hein. L'architecture est faite de manière à ce que tu sois embêté en fait. C'est ouf, mais c'est comme ça, c'est vrai en plus. Hein. C'est fait pour t'embêter et que tu ne puisses pas grimper comme tu veux. Bon. L'entrée, elle doit être là quelque part. Peut-être derrière, là. Là, peut-être. Oh. On peut pas grimper, hein, c'est ouf, ça. D'accord. Je regardais sur la carte. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, rien à voir. Très bien. Rien à voir, donc. Ok. Non, je peux pas grimper, là. Ok. Encore un endroit où je peux pas grimper, quoi, en fait. Un peu pénible, hein. C'est quoi ça? Il y a eu un sacré bruit là, je sais pas ce que c'était, mais. Mais c'était là. Oh, il y a un coffre là-bas, on va aller le chercher. Ok. Allez, du fortifiant. Bon, ça valait pas vraiment, vraiment la peine, mais bon. Par contre, un niveau de plus, ça en valait la peine. Allez. On passe par là. Voilà. Zzz. Examiner. Adol ? Elle a quoi cette pierre tombale ? Il y a des traces sur le côté, laissées par quelque chose de très lourd. Adol décide de pousser la pierre tombale.
ça alors? On sent un courant d'air. Une entrée souterraine. Ah, bravo. Je ne sais pas comment tu as trouvé cette entrée. Mon instinct d'aventurier. Ton instinct? Vraiment? On dirait que tu n'as pas volé ta réputation, Adol Leroux. Et pourquoi tu l'appelles Adol Leroux depuis tout à l'heure? Tu n'es pas au courant? C'est le surnom d'Adol, le fameux aventurier. Qui se retrouve mêlé à des histoires invraisemblables partout où il va. Un des personnages clés dans l'incident de la flotte de Romains en mer d'Atlas. Je crois même qu'il y a un avis de recherche à son nom. Maintenant que tu le dis, je crois en avoir entendu parler, ouais. Il fait partie des gens étroitement surveillés par l'Empire de Romains, non? Ma sœur m'a déjà parlé de lui, mais je l'imaginais plus effrayant. Si tout cela est vrai, Adol serait donc le plus dangereux que Falco, le fauteur de troubles? Ta réputation ne correspond en tout cas pas du tout à ton visage de bon samaritain. Bon, on y va? Ah, comme tu as changé de sujet. La clé pour se défaire de notre malédiction se trouve peut-être dans ce sous-sol. Adol, allons-y. Allez, let's go, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ça alors? Il n'y a pas à dire, ces cryptes sont vraiment lugubres. Cet endroit a été construit pour éviter tout conflit avec les adorateurs de Lucky. Mais après l'adoption du culte de la croix étoilée, les fidèles de la religion de Norse se sont longtemps fait persécuter. À cette époque, les adorateurs du dieu roi de Norse continuaient de pratiquer leur religion ici. L'église de la croix étoilée les persécutait? C'était plutôt les autres habitants de Glia qui s'en chargeaient, je dirais. Le culte de la croix étoilée a surtout été utilisé pour maintenir et assurer la paix. Désolé, je me répète. Vous savez pas tout ça? Cet endroit est vraiment poussiéreux. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, ça reste supportable. De plus, être sous cette forme me rend plus résistant de toute façon. Adol, continuons. Bon là, à mon avis, on va avoir des pas beaux, hein. On va avoir des vilains pas beaux. Oh oh, 47. Ça va devenir compliqué là. Ah, regardez, niveau 39, ouf. Là on commence à avoir du 47. Ça va être costaud hein. Ok. Alors est-ce que j'ai quelque chose à déplacer ou... Ah ah oui, il y a le plongeon, c'est vrai qu'on a le plongeon de l'ombre maintenant. J'ai oublié ça. Bon, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ah, on peut pas passer à... Ah, ok. J'aurais cru. Ah, par contre, on peut passer là. Oh, il se protège. Ah, ça y est, c'est parti. Bon, ça va. Pour l'instant, ça va. C'est peut-être plus sur le boss qu'on va caler, je pense. On verra. On verra bien. Ok, c'est ouvert. Je peux pas le toucher à travers, c'est dommage. Je l'aurais bien mis... Ah, si. Bon, y'a rien. Je peux rien faire. Tant pis. Hop là. On va pas perdre de temps avec ça. Hein. On descend. Là, on a pas mal d'ennemis encore. Allez, let's go. Allez. Arrête de te protéger. Je lui dis, qui de logique arrêterait de se protéger? Personne. D'accord. Hop. Allez, lui il est mort.
Toujours un petit peu d'XP prise, hein. Ça ne se refuse pas. Allez, on avance. Ok, là il y a un coffre. Ouais, de la viande fumée, bon, pas très très... j'ai failli, là. Oh, j'ai tellement failli y rester. Ok, bon, tant pis. Voilà. On avance. Là, on charge un coup énorme. Voilà. Très bien. Ok. Voilà. C'est bien, on avance, hein, on avance. Vraiment, j'essaye de le terminer au plus vite. Mon but, c'est d'avoir terminé les tournois. Oh là là là. Ouais, donc je vous disais, mon but, c'est d'avoir terminé les tournages avant la sortie de Nier Replicant. Pas forcément les diffusions, mais au moins les tournages. Si j'ai pas terminé les tournages avant Nier Replicant, ça va être... Oh, fuck. Lui, je vais pas m'y attaquer, hein. Je vous le dis tout de suite. J'y touche pas, lui. J'y touche pas, pépère. Parce que lui, il va me one-shot. Hein. Niveau 90, il va me one-shot, c'est sûr. Oh, c'est chaud, là. Il y a un couloir en face. Je vais essayer de l'emprunter. Ah! Un couloir qui mène dans le couloir. D'accord. Et là, il y a une grille, donc c'est mort. Je vais là. Je vais aller là. On va l'éviter au maximum. Lui, on le touche pas. Hein. Ah, il y a un Gaspard. Oh, bah, Gaspard! Allez. Ça, c'est ok. Eux, on n'en parle plus. En tout cas, profitez, hein, parce que je vais pas faire des gros RPG comme ça tous les jours en let's play. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça fait beaucoup d'épisodes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent en cours de route. Puis bah moi, quand j'ai pas assez de temps pour les faire aussi, c'est compliqué. Je vous avoue que je me suis lancé dans Ease 9 un peu à l'arrache, hein, en me disant « Ouais, allez, c'est bon, dans un mois, c'est terminé. » Ouais, c'est parce que entre deux, j'ai pas eu trop le temps non plus, donc du coup, bah, ça a pas trop marché. Hein. Ça a pas trop marché pour moi. Dans un mois, c'est pas un mois. Ah, c'est pas là. Ça, c'est embêtant, ça. Hop là. On va l'éviter, hein. Ok. Bon là c'est passé. Je sais pas si c'était là que je devais aller, mais je pense que oui. Oui oui c'est là. Ok. Là là. Donc c'est vrai que en plus c'est un let's play que j'ai commencé en live, que je termine en classique, un peu comme Deadly Premonition. Mais ça j'évite maintenant. Hein. Quand je commence un let's play en live, je le fais en live, et quand je commence un let's play en classique, je le fais en classique. J'évite de mélanger, mais c'est parce que pour Ease, en let's play live, c'est juste plus possible, quoi. C'est plus possible. Il n'y a plus assez de... Bah, il y avait, enfin, pour être honnête avec vous, il n'y avait personne sur les lives, quoi. Si c'est pour live et seul, ça sert à rien. Autant le faire de son côté, tranquillement. C'est très bien. Ah! D'accord. Ça vient de fermer une grille.
Sympa. Sympathique. Alors on va faire ça. On a eu un livre. On va Gasper. Voilà. Donc ouais, ouais, ça c'est clair que des let's play sur des gros RPG, j'en ferai pas tous les jours. J'en referai, hein. J'en referai, mais pas tout de suite. Ah, quoique Nier. Quoique Nier, en fait. Lolilol. Quand je dis pas tout de suite. En fait, un petit peu quand même. Pas tout de suite, mais un petit peu. Pas tout de suite, mais dans quelques jours. Oh, j'espère que je vais le recevoir en temps et en heure, d'ailleurs. J'ai toujours un peu peur de ça. Ah oui, il y a l'autre. Le gros pépère, là. J'ai ouvert la grille qui est au bout, mais... il va falloir un peu de temps, maintenant. Allez, c'est parti. Lui, il faut vraiment pas l'attaquer, quoi. L'attaque, c'est insta-death. Hop. Allez, va-t'en. Et le temps que ça se recharge. Vite, 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 vite. Et bon sang. Allez, on se barre. On se barre de là. Je veux pas le... Je veux pas me friter. Lui, Oh! Ah! J'ai pas eu le temps d'esquiver. Bon, tant pis. J'ai perdu un peu de life. Voilà. Ok. On avance. Ah, ça c'est bien. Oh, ça sent le boss. Bon, vous êtes prêts les amis. Ça sent le boss à plein pif. C'est parti. Est-ce qu'il y a du dialogue doublé ou pas? Je pense que oui. Ah! Évidemment. Bah, en fait, c'est pas du dialogue doublé, non. C'est du boss. Oula, 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 oula. Wow, wow. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que t'as pas besoin de vraiment avoir une stratégie de incroyable, quoi. T'y vas un petit peu à la bourrin, tant que t'as compris comment esquiver les coups, c'est bon. Allez, on balance un petit coup spécial qui fait plaisir. Allez, complètement stun là, c'est parfait. J'ai bien mis cher là. Wouah! J'ai tellement esquive là. C'était beau. Ça va hein, pour l'instant en vrai. Débrouille pas trop mal là. Ouch. Ça par contre ça m'a fait un petit peu mal quand même. Je dois le mettre. Ça va bien passer là. Je pense que là on n'aura pas trop de problèmes. Voilà. On n'en parle plus. Bah voilà. Ça s'est plutôt très bien passé même. C'est parfait. Je suis bien content. Je suis bien content. Allez, on continue notre chemin.
Hop là, à tout le monde a grimpé en niveau là, hein. C'est plutôt agréable. Dun, 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 dun. Cet endroit est immense. Où sommes-nous? Regardez là-bas. Petite musique. Incroyable. On dirait une ancienne fresque murale. That central figure resembles the deity statue outside. That's Grimnir, king of the gods. Since he's wearing a mask, this mural must predate the Hundred Years' War. The figures depicted around him are his demigod warriors. Demigods? What? They were the half-human, half-god servants of Grimnir. Hey, guys, get a load of that. Isn't that... It's... Une lune rouge? Could it be? Is that the Grimwald Nox? Don't those monsters look familiar to you guys? There's no doubt about it. And those people fighting the monsters are Grimnir's demigods. This must mean that the Grimwald Nox has been appearing since ancient times. It's just like Aprilis said. But this doesn't give us all the answers. Still, we might learn something important by observing these relics of the past. So, we're getting closer to the truth, right? The catacombs go deeper in that way. The sooner we finish searching this hellhole, this... But... it isn't Monstrums fighting the Lemuris in this, but the demigods. I have even more questions now than I had before. Ok. Bon, bah au moins, on a bien compris. Là. Voilà. Ah, toi, t'es pas mort? Il était pas mort. Ok. Alors... là, on a des trucs. Là, on est censé avoir... ah, c'est peut-être au-dessus. Je sais pas, on est censé avoir un coffre. Je vais pas m'y aventurer. On va surtout suivre le chemin, là. Ok. Bon, il y en a pas mal, hein. On n'a pas fini. À quoi c'est les torchons volants là, c'est des ennemis là. Ok. On a des torchons volants. Pas trop vu ce que c'était. Ok. C'est parfait. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ah c'est des torchons. Je sais pas dire ce que c'est vraiment. Cet ennemi est très énigmatique. Les esprits plutôt, hein, je pense, mais... ok, je vais passer là. Hop. Allez, ça dégage. Très bien. Là. Voilà. Hein? Attends, comment ça se fait qu'il est mort là? Il est mort en 2 secondes? What? J'ai pris le perso, il est mort. Là, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Je vous avoue que là... quelque chose qui est pas clair pour moi.
Les torchons là, ils ont fait très mal. C'est pas grave. Tuons ces torchons. Voilà. Là. Ok. Là, on a quelques petites ressources. On va les prendre. Hein. On va pas cracher dessus. Ouh, il y a un coffre là-bas. Je sais pas si... Je sais pas si c'est par là que je dois aller, mais... Dans l'absolu, c'est jamais. Bon, là, il n'y a plus rien, du coup. Ok. Ok, ok. Ça, on récupère. On va tout récupérer, hein, comme ça, dans l'absolu. Examiner cet endroit. Oh, un panorama. Très bien. Merci. Ah oui, c'est incredible. C'est vrai. Tac, 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 tac. On continue par là. Alors. Ok. Là, c'est bon. Ok, lui, il est à 1 PV. Est-ce que c'est en face qu'il faut que j'aille? Je sais pas du tout, là. Là. Là, il y a un coffre. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Une erreur d'appréciation, visiblement. Voilà, c'est bon. Bon. Et donc, je suppose qu'il faut que j'aille en face. C'est une supposition, mais... Bah non, c'est de là d'où on vient, hein. Bah oui. Voilà. D'accord, bon. Je vais regarder la carte parce que là, c'est où ? Avançons dans les cryptes. Bon, écoutez là, j'avance hein, mais là on y est allé. On a quelque chose là-haut. Ah, il y a quelque chose là-haut, ouais. Il y a quelque chose là-haut. Comment je vais là-haut? C'est ça la question. Ah! D'accord. Ah! Normalement, là, si j'arrive à... Ah, ok. Ok. Alors... Ah. Ouais. Là, il y a des trucs à péter. On va les prendre. Enfin, on va les péter. D'accord. Donc là, je suis en haut. Allez, ça dégage. Fortifiant encore. Ah, il faut que je grimpe là-haut, en fait, c'est ça? Ouais. On va essayer. Allez. Yeah. Ça a pas trop marché, hein. Ça a même pas marché du tout, quoi. Ok. Ah! Oui, il y a un truc, là. Dis donc.
Non! Non! Mais quel... Oh, c'est pas vrai! Oh là 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 là! Ça, c'est mal foutu! Je me suis cassé le... cocotier, là. Bon. Allez. On repasse par là. Bonjour! Faites pas gaffe, je ne fais que passer. Merci! Est-ce que c'est là? Ah non. Forcément. Ah, peut-être. Si, peut-être. Il y a moyen. Ah, par contre, eux, ils sont pénibles. Ouah, ils font trop trop mal, en fait! Faut vraiment éviter leur... leur tir, là, parce que... Je comprends pourquoi il est mort tout à l'heure, du coup. Parce qu'on a... J'ai pris les trois tirs d'un seul coup, et puis il est mort... instant. Ok. On grimpe. Je joue avec le feu là. Ok, 2000 pièces d'or, c'est bien. Ça ne me dit toujours pas mon chemin, mais c'est bien. Ah, ici, j'avais pas vu le mur. Nickel. Ah, revoilà les serviettes là. Ah, ça pique de ouf. Quelle saleté. Elles sont super pénibles. Ok. Bon là je vais prendre le coffre. Potion pleine, ça c'est bien. Là on passe ici. Ça, il est encore là lui. C'est pas vrai. Il est vénère en plus. Il y en a deux. Je crois qu'il y en a deux. Oh non. Ah bah c'était le one shot là. Il m'a one shot direct. Oh ah bah là on est pas dans la panade là. C'est un peu embêtant tout ça là. Ah là 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 là. Faire ça. On est mal. On est très mal. Objet. On est quand même pas très 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 bien. Là, je vous avoue que... On est mal. On est mal. Alors là, je vais me donner un peu d'XP, tiens. Bon, ça fait un peu grimper, mais bon. C'est pas dingue. Au moins, c'est utilisé. Raisin. On va se donner un peu de vie. Et puis là... Résurrection. Comme quoi, ça sert de ramasser toutes ces plantes. Ouah. Bon, par contre, l'autre, là... Il est juste derrière, il m'attend, en fait, hein. Je peux rien faire, là. Ah, il m'attend, quoi. Donc, si je passe, je meurs. Ah oui, oui, là, c'est embêtant, là. Bon, bah, écoutez. Est-ce que je tente le coup de passer ? Et hop, je passe. Je vais mourir de ouf. Je vais mourir de ouf. Enclenche ton levier ! Abruti !
Ok, on l'esquive. À mort. On l'esquive, on l'esquive, on l'esquive. Enclenche ton levier! Oh, c'est pas possible, cette histoire de levier, là. Je me casse. Je me casse. Quelle saleté, mais quelle saleté, je vous jure. Non mais ils en ont mis partout, c'est pas possible. Purée. Ok, enclenche ton levier de caca. Allez, enclenche tous les leviers. Quelle saleté. Mais quelle saleté de truc. Je vous jure. Il y a un ordre en plus. C'est dégueulasse. C'est pas le bon ordre. Oh purée. Ah, c'est la mort là. Je vous le dis, c'est la mort. C'est la mort. Bon, toi, pas te gratter. Voilà, laisse-moi tranquille. Ok. Donc, deuxième levier. Ici. Deuxième levier. Non, ça, c'est le 3 au crade. Mais quel boulet. Ok, le deuxième, c'est là-bas. C'est celui qui est là, là. C'est lui. Le deuxième levier, c'est lui. Ok, deuxième. Deuxième levier enclenché. Oh là 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 là. Quel enfer. Ah mais c'est le one shot direct quoi, j'ai même pas eu le temps, mais sérieux, ça c'est nul ça. Parce que t'as même pas le temps de sortir en fait. Tu sors de là, tu meurs. Bon bah ok. J'ai même pas le temps de le voir qu'il est là. Ok. Et ça ouvre un truc. Qui est... On ne sait où. Ça doit être là, non? C'est là. Ok, je me casse. Je me casse de là. Eh, eh, eh. Calme-toi, toi. Ah, ça me stresse, ce passage. Vraiment, très stressant. Allez, bute-le. Ah, d'accord. Bon. Attendez. Oh, je vais utiliser un objet sur Adol, là, parce que... On est mal. On est mal. Hommage. Oh, il y avait ça. Oh, les salauds. Vous auriez pu me le dire avant. Enfin, il était peut-être marqué sur la carte que j'ai pas fait gaffe, mais... Quand même. C'est salaud, ça. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ces gros bonhommes, là. Insupportable. C'est insupportable. Ah. Look at all. There's another mural. It's a lot creepier looking than the other ones. Ce n'est pas une fresque, mais un relief. A primordial? Or just an oversized centipede? It doesn't look like it predates the Hundred Years' War. You're right. Unlike those other murals back there, this one's a hell of a lot more realistic. It looks like it'll come to life at any moment. Careful. What was that? What's causing it? Attention, restez sur vos gardes. This day keeps getting better and better. Ah! On va devoir combattre ce machin-là. Ok. Fantastique, j'ai envie de dire. Bon bah allez, hein, let's go.
Ah d'accord. Is that poison? It's rising. Keep moving up the stairs. Oh, it's so gross. I want to go home. Ah. D'accord. Ah. Je peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. D'accord, ah, c'est parce qu'il faut combattre, quoi. Je vais mourir, très bien. Ah bah fun, génial. J'adore ce boss. Ça part bien, là. Catastrophe, hein. C'est une catastrophe ce boss. Je l'aime pas beaucoup. Je vous le cache pas. C'est pas mon boss fétiche. Hein. Oh là là. It ain't over yet. The fun's just getting started. Let's just squash it and get this over with already. C'est quoi ces bouboules là? Ah d'accord. Ah d'accord. Oh, bon sang! Ah, je vais rager. Hein. Je vous le dis, je vais rager sur ce boss, c'est sûr et certain. Ok. C'est pas possible. Oh là là, ça sent le boss de la rage, ça. J'aime pas ce boss. Je ne l'aime pas du tout. Ah! J'arrête pas de me faire empoisonner, c'est pénible! C'est d'un pénible, je vous jure. Attention! Ah, puis il y a une phase 2. Ah, mais évidemment. Sinon, c'est beaucoup moins drôle. Bah oui. Quel plaisir. Quel plaisir. J'aime pas ce boss. Je déteste ce boss. Quoi ? Ah oui, et puis c'est pas une petite phase, hein. Par contre, ça va, le jeu est pas méchant parce qu'il m'a remis ma vie quand même. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Oh ! Wow ! What the ? Mais c'est pas. Ça n'a pas de sens. Ok. Bon, faut tout péter ces trucs là. Hey, je me fais déglinguer. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est agaçant. Ça va être long, ça va être long, les amis.
Ah, ça y est. Ça recommence. Ça recommence. Ça recommence. Il est en train de m'entourer, là où je rêve. Il est en train de m'entourer. Oh oh. Oh oh. Oh là là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Le truc qui te tourne autour. Bon, ok, 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 j'ai compris. Je vais prendre un objet, j'ai compris. Calme-toi. J'ai pas le choix. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Oh, il m'a pétrifié. Pardon. Non, quel honneur. Mais what? Mais je peux rien faire. Oh, c'est l'enfer. Mais quel enfer de... Oh, c'est horrible. C'est horrible. Ah, soin pétrification. Allez, hop. Oh là là, et puis bien sûr ça t'envoie des boulettes empoisonnées entre deux, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Oh mais quel bordel alors. Bordel de boss. Franchement, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ce boss, il m'énerve au plus haut point. Alors, mais attaque-le, nom de Dieu. Je fais... Oh, ça y est, l'autre il se transforme en train ici. C'est pas possible. Je vous jure, c'est pas possible ce boss. C'est un enfer. Allez, ah bah allez. Ah bah oui, et quel plaisir. Ah bah oui, comme ça je suis mort. Ah bah ça, on s'amuse bien. Là c'est fun. Là, j'y arrive pas, ça m'énerve. Il me gonfle. Toi, tu commences à me gonfler comme boss. Mais alors, à un point. Ah, ça y est, je suis bloqué dans les pattes, là. Pénible. Pénible sur 20. Allez. Ah, oui, évidemment. Évidemment. Il arrête pas de tourner. Reste un peu là que je casse tous tes trucs. Ah, évidemment. Ah, d'accord. Ça y est, c'est le retour du train. Non, non. Et merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Merde. Ok. Alors toi. Voilà. Ah, il en reste un là. Qu'est-ce qu'il en reste? Il n'y en a plus là. Ah, c'est la tête là. Ah, super. Complètement loupé. Oh, dis-moi, je l'ai eu. Oh là 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 là. Oh, j'ai pesté. Hein. Oh, j'ai pesté contre ce boss. Hein. Oh. Oh, ah, ah, qui aurait cru que la grosse bestiole du mur allait nous attaquer? Je n'en reviens toujours pas. C'était vraiment un monstre étrange. Oui, il était différent des monstres que nous rencontrons dans la nuit de Grimwald. Je crois que ce centipède n'est pas d'ici à la base. Ah, le chemin continue. On ferait mieux d'avancer. Ouais. Et ben voilà. Écoutez, nous on va se quitter là-dessus hein, pour cet épisode. C'est déjà pas mal. Je vais sauvegarder parce que là je me le retape pas le boss. Hein. C'est mort. Je me retape pas ce boss là. Alors là, c'est hors de question. Plus jamais. Plus jamais.
Eh bien écoutez les amis, on va se quitter là-dessus, j'espère que cet épisode vous a plu, même si j'ai pesté. Je vous dis donc à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, c'était Ocrad, et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine.